Comme ça, avec joie, je vais faire la suite de l'aventure. Zoupla. Alors. Ah non! J'ai mon clavier qui répond plus. J'ai que la souris. Que signifie cette diablerie? Là, il y a un bug, là. Mais non! Ah! Merci. D'ailleurs, tant que je suis là, j'en profite pour visiter. Ouais. Y a pas un truc avec un accès aux égouts par ici? Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'accès aux égouts. Rien derrière? Oh, comment qu'il tient sa main là où elle est positionnée, c'est... Oups. Oups, oups, oups. Ah, ce branleur. Que voulez-vous, mon ami? Bah rien du coup, on s'est tout dit. Quoi? Message au chevalier noir assassin. Ah là là. Par ça, ça va? Oui. Non, bah rien de spécial, à plus. Adieu. Adieu. Alors, je voulais me rendre au quartier marchand. Qui est là-bas, normalement. C'est ça. Nous sommes d'accord. Allons-y de ce pagime. On a même le plaisir d'entendre les oiseaux alors qu'on est en pleine ville. Ça fait plaisir. Parlez. Qu'y a-t-il? Mais y a rien, madame, y a rien. Ah, les bâtons, bah j'ai mon fameux bâton à vendre là. Oh, ce crâne. Bien le bonjour. Bonjour. Alors, j'ai été vendu. Bah, que puis-je vous offrir? Attends, attends, attends. C'est moi qui vends. Bâton de maladie. Oh la vache. Voilà, ça me soulage d'un poids. Et sinon, toi, tu vends quoi? Oh la violence! Oh la la! Apothéose, oui, on va dire ça. Mais un duo. Attends, je me rassois différemment. Je me rassois de manière différente. Alors, oh là là. Oui, donc je viens de l'y vendre, ouais. Je viens de l'y vendre. Ah, sur cible. Vache. Ah, peut être sympa le bâton de lumière. Ah. Pendant un temps, j'irai pas long. Parce que mon problème, c'est que je sais rien ensorceler. Enfin, rien.
Rien envoûté, là, je sais plus comment on dit. Enchanté, voilà, c'est l'enchantement. Je ne sais pas faire l'enchantement. Alors que j'étais familier de ça dans l'opus précédent qui était mort en ruine. Là, que puis-je. Dissipation, gnagnagna. Grand bâton de télékinésie. Ah, il vend des fringues. Putain, je serais tenté d'acheter le bâton de lumière. Lumière 40 pieds. Nanana. Le problème, c'est que c'est sur cible, c'est pas sur soi. J'aurais aimé que ce soit sur soi. Dommage. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Oui, plaisir partagé, merci, à plus, Rimini. Adieu. À la prochaine. Merde, il fait déjà nuit. Oh, ils vont fermer une boutique. Oh. C'est quoi ça, chez lui ? Kizaku. Ah, mon commerce impérial. Alors, bah armurier, déjà je lui demandais à faire réparer tout mon matos. Ah oui, ils sont plusieurs, je vais d'abord le voir. Je m'appelle Varnado, je vends des armures lourdes à la meilleure défense. Je donne aussi des formations en port de l'armure lourde, alors je connais bien mon sujet. Mais je n'en doute point, cher ami, réparez-moi donc ça. J'ai pas mal de ressources, qu'est-ce qu'il faut réparer? Tout. Presque 200 or, oh vache. Mais c'est bien. Des rumeurs ? Toronir achète tout. Ou presque. Et je suis sérieux. Oh mon Dieu. Alors. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Ah oui, volontiers. Oh ! Oh là là ! Égide de l'Apocalypse. Lame. Ah, effet permanent en plus ! Vache ! Wouah ! Lame, armure lourde. Armure lourde. Ah, arme lourde, pardon, et armure lourde. Tac, 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 chance et santé. Ah, merde. Ah, oula, ouais. Ouais, c'est space le truc. Ah, marteau apprenti, oui, je vais en acheter. Je sais pas si je peux en acheter. Attends. Oh. Attends, je vais déjà voir si je peux lui vendre des trucs parce que ça pèse lourd ces machins là. Réduction de magie, 20 points sur frappe. Ouais, tu me diras, elle va pas m'aider tant que ça. Ouais, je vais la revendre, celle-là. Vous avez gagné une belle somme. Yep. Ah, je peux pas vendre le katana qui fait de moi un... Surtout si j'en fais une super arme enchantée après. Je vais garder ça. Non, le reste, non, je les vends pas. Les gemmes, je les garde, forcément. Les peaux de loup, je peux lui vendre. La perle imparfaite aussi. C'est un prix équitable. Yeah. Le rubis parfait, j'ai envie de le garder. Il est tellement stylé que j'ai envie de le garder pour moi. Oui, maintenant j'ai fait le tour de ce que je pouvais te vendre, mon gars. Mais à mon avis... Oh. Je sais pas si je peux lui acheter marteau d'apprenti parce que. Attends. C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Oui, plaisir partagé, mais. Quel poids ? 60. Ah, si, j'aurais pu. Ah. Attends, je vais voir l'autre. Marron. Poursuivez, je vous prie. Oula, il a l'air plutôt frêle, là, ce garçon. Bref. Armes, armure, j'ai tout ce qu'il vous faut. Que puis-je pour vous ? Ah bah il est moins cher. J'ai bien fait d'attendre. J'achète tout ça. Oh putain, 360. Ce budget. C'est le budget de la réussite, mes amours. Bref. Attends, négocier quoi ?
Ah, c'est ce qu'il est prêt à m'acheter. Oui, non, bah laisse tomber. J'aime quand mes clients sont contents. Oui, merci, à la prochaine. Prenez soin de vous. Oui, vous aussi, les garçons. À plus. Alors, il me reste quoi? J'ai la carafe dorée. Ah oui, elle fait de l'alchimie, je crois. Bonjour, ma grande. J'ai là tout ce que les alchimistes débutants peuvent désirer. Bah, le problème, c'est que je suis plus débutant, ma grande, mais je veux bien regarder. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Remarque, c'est pas mal ton matos. Attends, il y a novice et apprenti, je sais plus, j'ai quoi moi. À bientôt. À tout de suite. J'ai tout en apprenti, j'ai même artisan. J'ai là tout ce que les alchimistes débutants peuvent désirer. J'ai même artisan qui est mieux, mais c'est pas grave. Des rumeurs ? J'ai entendu des rumeurs extrêmement troublantes concernant l'ouverture de portes d'Oblivion un peu partout à Cyrodiil. J'espère qu'elles ne sont pas fondées. Malheureusement, si, malheureuse. Il faut pas que tu sortes de la capitale, c'est dangereux en ce moment. Mais je prendrai bien le temps de les refermer une à une, va. Faisons affaire. Oui, faisons une affaire. Alors, attends. Je voulais vendre mes 50 000 là qui pèsent bien lourd. Elles sont où? Oui, les silences. Hop là. Oui! Magnifique! Je suis libéré d'un poids et d'une bip. Je vais peut-être t'acheter des ingrédients, ma grande. Tu proposes quoi comme ingrédient? Pardon. Ouais. Alors. J'aime bien l'ail ne prend pas de poids, alors je vais l'acheter. Toujours ça de prix pour faire une recette. Regain de santé, c'est sympa ça. C'est une affaire. Oui. C'est une affaire. Oui, c'est une affaire, je sais. Oh mon dieu. Putain, ça coûte cher ces trucs. Heureusement que je les cueille à foison en Oblivion. Putain, ça fait cher du regain de santé, toi. Regain de magie. Oui. Regain de magie, regain de santé. Oui, mais là, c'est trop cher, c'est trop lourd, laisse tomber. Regain de santé. Ça, c'est correct. Hop là. Regain de magie, regain de santé. Dans ton nez. Ah, la loi est vous avez acheté ça pour une misère. Oh, elle parle mal. Oui, voilà, c'est tout bénef, ça. C'est tout bénef. Ouais, je les aime bien ceux-là. Ouais, alors c'est pas pour le prix, va aller. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Yep. Regain de santé. Ouais, c'est un peu cher quand même, mais bon, ça va m'aider. Ça va m'aider dans ma quête. Vous avez la négociation dans le sang. Regain de magie. Oui, bah autant que je le prenne, comme ça je pourrais faire des... Non! Mon dieu, je ne sais plus. Non, bon bah c'est bien. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Oui, merci. Prenez soin de vous. Toi aussi. Oh putain, j'adore ta déco. Ah! J'ai failli renverser la table avec les potions.
Ça aurait été malvenu. Tranche et cogne. Ah, c'est un forgeron. Bah, je vais peut-être lui acheter ses... Ah oui, j'aime bien lui. Salut. Hurbule, gros Hercule, sait que vous avez besoin de haches et d'armes contondantes. De grandes armes. Alors il les fabrique et les vend ici. C'est marrant. Frappe et cogne. La boutique d'armes 100% orc. De grandes armes pour de grands héros. Quand il a décliné son nom, j'ai cru un moment à des termes grossiers. Il n'y a que des articles de qualité ici. Bah, que oui. Puis-je vous offrir? Oh vache. L'épée longue Zwemer, alors le problème c'est qu'elle pèse une tonne, mais alors elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts. Boah. Ouh vache. Ah oui, il en a beaucoup sur lui des marteaux d'apprenti. Waouh. Je vais lui en prendre une dizaine, va. Allez hop. Ouais, allez, go. Sinon, moi, je revends rien normalement. Non, j'avais déjà fait le point, je revends rien. Revenez quand vous voudrez. J'espère que je suis pas trop surchargé. Vous aussi. J'ai un peu peur. Non, ça va encore. Mais c'est bien, au moins, ça me fait de quoi entretenir mes armes longtemps. Ça m'arrange bien. Mystique quoi? Ah, tout ce qui est mystique, ah, bah ça va être les pierres et compagnie. Bonjour. Bienvenue au grand magasin mystique. Kalindil a tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Regardez et achetez, rien de plus simple. Mais j'espère bien. Rumeur. Si vous avez besoin de vendre quelque chose rapidement, allez voir à la bourse bien remplie. Eh? Oui, bah, que puis-je vous offrir? Oh, qu'est-ce donc? Je peux pas m'offrir justement. Oh la vache! C'est le double de mes économies là. Résistance au froid, à la foudre, au feu. Ah oui, c'est des sacrés gants ça. Ah, je vais peut-être vendre mes... Ouais, mes parchemins, je sais pas, je vais... Oh là là, les gemmes, faut que j'en achète. Faut que j'achète. J'achète. Alors attends, il y a quelque chose d'ordinaire. Aucun, il y a rien dedans, je prends. Alors, là, spirituel, il y a quelque chose dedans. Ah, oh, il y a des trucs dedans. Il y a rien dedans. Oh la vache, il coûte cher. Oh les vilains. Ouais bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Moi qu'est-ce que je peux lui vendre? Tout le reste? Oh, oh. Oh qu'est-ce que je fais? Ouais je lui vends. C'est une bonne transaction. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Mmh. Ouais, au moins ça me fera des trucs en moins. Ça, je vais peut-être le garder. Ouais, le coup de squelette héros, ça vaut le coup. Ah, ça peut être sympa la lumière. je vais le garder. Bah, ça maintenant. C'est un prix équitable. Coup. Ouverture facile. Ouais, bah je vais les garder sur moi pour m'amuser avec. Protection, hop, je te vends ça. La rage, hop, je te vends. Regain de force. Ah, ça peut me tirer d'affaire, ça. Regain de vitesse, non, je m'en fous. C'est plus que ce que je fais d'habitude. Ça aussi. Ça aussi. Mais je m'en moque. Vous avez gagné une belle somme. C'est plus que ce que je fais d'habitude. Uh-huh. Hop et hop. Bah voilà. C'est type beau. Attends, les 34 petites gemmes. Ah oui, je peux m'amuser à faire de la capture d'âme. Faut que j'aille patater des rats, moi, c'est pas possible. Je peux pas faire autrement. Merci. Vous êtes ici chez vous. Oui, merci, merci. Bonne journée. Ah,
C'est un plaisir de parler avec vous. À qui de tourne le dos ? Attends, je sais plus, il fait de la formation. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Ah non, il fait des sorts. Ah, 124, casque lié. Ah, pas mal. Pas cher, le casque lié, j'achète. Ah ouais, c'est pas cher, 124. Comment je fais pour... Dissipation, invocation de zombies... Oh vache. Nanana, j'ai au poison, yeux, vision nocturne... Oui, non, mais j'ai le bijou pour, donc ça va. Revenez quand vous voudrez. Oui, à plus, merci, à la prochaine. Bonne journée. Bonne journée, bonne journée. Alors, ça c'est la poche, je crois. Donc. Ah non, c'est les fringues. Oh non, je vois les fringues. Ah, magie. Magie. Bon, Yul. Bon, c'est déjà vu, Edgar. Que puis-je pour vous? Ah non. Je confonds avec quelqu'un d'autre, pardon. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Alors, avec grand plaisir. Oh, il a pas plus? Comment ça marche, ça? Fortification de magie, 30 points pour 60 secondes sur soi. Ah, c'est quand même un budget, mais... Fortification de la magie, 30 points. C'est-à-dire que j'ai plus 30 points dans ma jauge de magie pendant une minute. Ouais, bof. Non, j'y crois pas. Je laisse tomber. Désolé, Edgar. Au revoir. Au revoir. Oh, c'est tapisserie. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, bref. Attends, l'autre... Alchimie. Attends. Non, j'ai fait n'importe quoi. Oui, l'ingrédient principal, c'est là-bas. Une pièce pour une vieille mendiante. Une pièce de plus, oui. Et je pourrais acheter des souliers. Oh là là, vas-y. Merci, chère madame. Des rumeurs. L'hôtel Tiber Septime est un bel établissement. Par contre, il n'est pas donné. Ah là là, c'est moche. Allez, à plus. Arquet vous bénisse. Vas-y voir que j'ai la bijouterie. Que puis-je pour vous? Bonjour, Amlof. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Mais avec plaisir, mon cher Amlof. Sauf que ça ne m'intéresse pas, mon cher Amlof. Attends, je vais peut-être me débarrasser de certains... Attends, armure légère, bouclier de feu... Ouais. Tu verras, en même temps, c'est des trucs qui sont plutôt pratiques, hein, quand on y réfléchit. Volonté, intelligence. Ouais. Ouais, non, après tout, je vais... Ah, lui aussi, il achète les gemmes. Tiens donc. Bon, allez, à plus. Je me barre, désolé. Bonjour. Bien, bonjour, c'est vous. La musette. On dirait un... Ah, c'est une taverne, peut-être. Ah, c'est une taverne, désolé, au revoir. Oh non, je vais pas boire un coup, là. Allez, attends, c'est un peu machin. Ah, bah voilà. Avez-vous des nouvelles de la mission dont nous avons discuté? Non, mais tu fais bien de m'en parler, je vais peut-être pouvoir l'exécuter. Que puis-je vous offrir? Mais pourquoi cette lame de guerre à Kaviri, elle est améliorée, comparée à la mienne?
Action santé, fatigue, magie. Ah oui, la vache, elle est violente. Elle est violente. Eh ben. Et moi, je pourrais lui vendre quoi? Tout le reste, c'est ça? Ah non, que ça. Ah. Des rumeurs. La boutique au bâton de Rindir est le meilleur endroit de la ville pour acheter un bâton magique. Ou bien, est-ce que c'est Rindir bâton? Merci encore de votre aide. Nous ne pouvons... Oui, oui. Tais-toi. Les trois frères, oh mon Dieu. Ah! Tertullian, Sergius et Cicero, les trois frères Verus. Je suis Cicero. Alors Cicero, t'as rien à me vendre, Cicero. À bientôt. Qui c'est qui vend chez vous? Puis-je vous aider? Ah, c'est vous qui vendez. Regardez ce que j'ai à vendre. Merci. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Oh la vache. Oh! Waouh, le casque, il me plaît. J'ai pas le pognon, mince. Putain, puis il est lourd ce casque. Résistance à la maladie, résistance au poison, rapidité. Ah ouais. Mais rien que le fait d'avoir la lumière, putain, c'était pas mal. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Oh, putain, mais où est-ce qu'il va trouver ses ingrédients? Je les connais pas, ceux-là. Bon, ça, je connais, mais tiens, d'ailleurs, je lui achète. Ouais. Ouais, bah, je peux lui acheter ça. Ouais. Ah oui, non, mais non, oui. Ouais, non, bah laisse tomber. Merci, vous êtes ici chez vous. Oui, merci, Virus. Attends. Au revoir. Oui. Il propose quoi, l'autre frangin? Ah, il propose... Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Ils ont ces trucs que je n'ai pas. Vache. 100 points d'interrogation sur frappe. Putain, tu déglingues tout. Tu déglingues tout. Oh, c'est intéressant comme objet. Mais si je l'achète, j'ai toutes mes économies qui y passent. Ah, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Prenez soin de vous. Oui, vous aussi, vous aussi, vous aussi. Oui, non, c'est la pause. Oui, bah j'ai tout vendu, c'est ça. Ah non, attends, il y a un ingrédient rare. Attends, attends, attends. Pardon, excuse-moi. C'est vous, le héros de Kvatch. C'est un véritable honneur. Je vous écoute, citoyen. Des rumeurs ? La porte d'Oblivion de Kvatch est fermée. Ne comprenez-vous pas ce que cela signifie ? Nous pouvons vaincre ces salauds. Oh, mais il a un langage très fleuri, ce garçon. Allez, à plus. Adieu. Adieu. Waouh, je n'ai rien entendu. Oh, puis la pauvre Gwendoline qui entend se prendre toute la saucée dans la tronche. Bon, you. Si vous avez des questions sur les marchandises, il vous suffit de les poser. Oh, qu'il est beau. Il est beau, ce garçon, qu'il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Je vends des potions, ainsi que tout le nécessaire pour en préparer soi-même. Qu'est-ce que ce sera? Voilà une question qui est bonne, que je vais tâcher de répondre. Arf. Pipidipidi, regain de santé. Non, ça coûte la peau du cul, n'importe quoi, moi. J'allais acheter un truc qui allait me ruiner pour pas grand chose. Ah, regain de magie, ça par contre, j'ai dit oui. Oui. Ah, cher des morts. Ouh, coûte cher le machin. Non, voilà l'ingrédient, toi. Des écailles. Ouais.
quelqu'un de santé, ouais, quand même. Vous êtes très dur en affaires. Oui, oh, ça va. C'est une excellente affaire. Mais oui, mais j'espère bien, c'est pour ça que je suis là. Allez-y. Fais péter. Gâteau roulé, oh mon dieu. Voilà. Je n'aurais pas fait une telle offre à n'importe qui. Oui, merci, je sais. Ah, mon Dieu. Oui, non. La 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 la. Oui, non, ça coûte cher. Oh, les selles de givre, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Fortune, fortune. Et sinon, moi, je peux lui vendre quoi? Oui, bah tout le reste, c'est ça. Non, les dégâts de feu, je vais vendre, mais ouais. C'est un prix équitable. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, après, je crois que je peux garder. Ouais, je mets rien de... Ouais, encore. Ouais, non, allez, je vais garder sur moi. Je vais garder sur moi, mais ouais, j'en ferai usage... J'aime faire affaire avec vous. Oui, merci, c'était bien, c'était très fructueux. Bonne journée. À toi aussi, merci. Alors, je vais montrer une nuit à l'hôtel. On dirait que vous savez vous servir de votre clé. Oui, et pas que. Alors ici, il y a quoi? Ah, première édition, c'est un bouquin. Pourquoi la bourse de rempli? Ah bah oui, c'est... tiens, d'ailleurs, si je revenais à la quête de... Ah non, c'est la quête terminée, mais quel idiot. C'est en cours, je prenne. C'est vous? Salut! Et bonjour! Attends, espionnage. Rebonjour! Oh, bah c'est pas comme si tu. Rebonjour, oui! Attends, Je vais faire magie du démon. Non, pas le. Je vois la vie façon Michou. Comme si de rien n'était, c'est juste une filature. La 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 la. La la. Pa
Rebonjour. Ah mais non. Je lui avais laissé le temps d'aller devant, et oh. Ah! Il m'a eu! Je suis caché dans les bouchons! Ninja! Je suis... Ah oui, bien la ninjette! On la voit même pas! Ah ah! Tu ne me verras pas, sagouin! Je te mate! Bonsoir, comment ça va? Je me suis déjà... Bon, comment ça va? Je me suis déjà senti mieux. Ida Vlinorman a quelque chose d'étrange. J'ai appris qu'elle avait escaladé la façade de la chapelle rien que pour pouvoir sauter du toit. Peut-être qu'elle pourrait m'apprendre à tomber. C'est très utile. C'est nettement mieux que d'utiliser une épée ou de lancer des boules de feu, par exemple. Bon voyage. Vous aussi. Bonjour. Beaucoup de mages ne jurent que par les bâtons de Rindir. Si vous cherchez un bâton, comment allez-vous ? C'est là qu'il faut aller. Je me suis déjà senti mieux. Je vois. C'est bien dommage. Au revoir. Prenez soin de vous. Vous aussi. Rebonjour. Il s'en passe des choses la nuit. Ah. Non, je ne veux surtout pas attendre. Il est 22h là. Et après? Je vais essayer un truc, juste pour le fun. Ivrogne. Non, espèce de sale voleur. Mais non. Je vais être très très vilain. Comment osez-vous me toucher? Allez, Dieu, allez! Pas un pas de plus, allez. Vermine. Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux. Je confisque vos marchandises volées. Payez votre amende si vous ne voulez pas aller en prison. Ceci n'a jamais eu lieu. Ah, n'importe quoi. Bonjour. Quand on cherche du travail, la guilde des guerriers, c'est pas un mauvais choix. Quoi ? Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. C'est ce que j'ai entendu dire. Au revoir. Je vous vois. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai croisé quelques crabes des vases il n'y a pas longtemps. Ils sont particulièrement irritants. J'essaie de les éviter au maximum. Ce sont d'horribles créatures. À bientôt. La porte d'Oblivion de Gvatch est fermée. Ne comprenez-vous pas ce que cela signifie ? Nous pouvons vaincre ces salauds. Continuez. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces ? Il n'y a rien dont je vous dis. C'est ce que j'ai entendu. Vous avez des nouvelles des autres provinces? On raconte que des syndicats de sorciers ont mené un vol. Je sens que cette filature va durer une éternité.
dirait que l'archipel de l'automne est devenu un endroit très dangereux. Au revoir. Bonne journée. Comment ça va? Bonsoir. J'avais besoin d'argent, alors je suis allée voir Jensen. Je ne sais pas s'il y a de plus âpre négociateur dans tout Cyrodiil que Falonyria de la Divine Élégance. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus dur qu'elle. Il n'y a rien dont j'ai envie. Mais elle m'a proposé de m'apprendre sa technique de négociation. Bonne journée. C'est bon à savoir. Vous avez appris pour Gvatch? On raconte que des Dédras venus d'Oblivion l'auraient totalement rasé. Par les dieux. Absolument. Adieu. Merde, je vois plus, il est où? Il est passé où? Oui. Si vous avez besoin de vendre quelque chose rapidement, allez voir à la bourse bien remplie. Quel personnage, ce tauronnier. Il est crasseux et sournois. Mais il offre un service intéressant. Bonsoir. Bonjour. Prenez soin de vous. Il est où? Je l'ai perdu de vue. Jacques Pradel. Oh non, merde. Mais non! Il s'est barré! Non, déconne pas. C'est vous, Agarmir? Chut! Pas si fort! Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Désolé, je n'ai pas l'habitude de ce genre de réunion. Alors ça me rend toujours nerveux. Bon, taisez-vous et écoutez-moi. La prochaine livraison aura lieu plus tôt que prévu. L'argent devra être prêt. Même assortiment d'objets. Je veux dire que j'ai suffisamment de vêtements pour le moment. Vous prenez ce que j'ai. J'en suis averti à la dernière seconde. Et je dois sauter sur l'occasion. Pas de temps à perdre à faire le difficile. Eh bien, cette société me met encore plus sous pression. Alors il vaudrait peut-être mieux ralentir un moment. Arrêtez maintenant, ou je vais faire mes emplettes ailleurs. Ou peut-être rendre visite à cette Jensen, et lui parler de votre petit plan. Parfait. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Contactez-moi quand vous aurez les articles, et nous nous rencontrerons alors une nouvelle fois. Ne vous en faites pas. Ce sera très bientôt. Maintenant, fichez le camp! Alors, j'ai été témoin d'une rencontre entre Tauronyr et un homme mystérieux du nom d'Agamir. J'ai l'impression qu'Agamir est ma nouvelle cible. Je devrais le suivre pour voir où est-ce qu'il se rend. Non, mais... T'es venu vers moi! J'ai été démasqué! Oh, le con! Oh merde! Je suis pas suspect du tout. Mais alors, pas suspect du tout. Voilà, on n'a rien vu, hein? Bon. Je me suis fait bobo à la pâte.
Oh merde. Mais c'est qui vous? C'est quoi cette procession? Ça va pas? Mais qu'est-ce qui vous prend? Il est minuit là, allez vous coucher. Non mais ils sont fous dans la capitale, ils sont pas cool. Et c'est n'importe quoi. Normalement là, parce que sinon je suis en train de le perdre de vue. Sauf que c'est pas mal la vue en bleuté dans des beaux lieux comme celui-ci. Ça me plaît bien. Salut. Qu'y a-t-il? Si vous devez voyager, par les neuf divins, ne quittez pas la route. La région sauvage n'est plus sûre. Nous avons repéré du danger, vous savez. Les Dédras. Bonne journée. Kagamir avait une maison sur la place de Talos. Il faut que je m'y rende en son absence. D'accord. On est où là par rapport à la géographie des lieux? D'accord. Place Talos. Ok. Ok, ok, ok. Maison d'Agamir. Qu'est-ce que je fais? Je vais me pioter ou je fais une petite visite dans les égouts? J'ai bien envie de me frotter aux égouts. Ah. Pardon. Histoire de m'amuser un peu. Attends, j'ai pas compris. Les égouts sont là. Pourquoi je peux pas y accéder? Je vais aller à cet hôtel, moi. Hop là, je vais sauter à la maison nocturne. Oh, je vais commander une chambre. Bonsoir. Oui. Je serais pour commander une chambre, je vous prie. Eh bien oui, j'ai une jolie chambre de libre pour la modique somme de 40 pièces d'or la nuit. Ça vous intéresse? Ouais. Excellent. La chambre est à l'étage, au bout du couloir à gauche. J'espère vraiment que vous vous reposerez comme il faut. Bah oui. Je n'ai aucun doute là-dessus, merci. Bonjour. Ah oui, oui, oui. Alors, tout au bout du couloir à gauche. C'est là, je crois.
connais ça. Oula, oui, mon dieu. Oh, je vais dormir 6 heures. Bien bossé. C'est bien. Alors, l'intérêt ici, il est là ou pas? Avec un peu de chance, il est là. Merde, loupé. Hop là. Ah. Alors, concurrence hostile. Je suis arrivé dans la cave d'Agamir. Il y a tout un tas de vêtements et de bibelots. Le plus troublant est la pelle sale, les bottes pleines de boue rangées dans un coin et la poussière d'os un peu partout. J'ai bien peur que les marchandises d'Agamir vend à Toronir appartiennent aux personnes mortes récemment. Il faut que je continue mes recherches afin de trouver des preuves plus solides. Ah bah. Alors attends. Comment vais-je procéder? Oh, je fais lumière, tant pis. Quitte à me faire repérer. Il est pas censé être là. Effectivement. Manifeste macabre. Alors, j'ai trouvé un manifeste répertoriant les noms des personnes mortes récemment, les objets avec lesquels elles ont été enterrées et l'endroit où elles se trouvent en Cyrodiil. Je vais montrer ce manifeste à Toronir. Je ne pense pas qu'il sache d'où viennent ces marchandises. Ah, ok, donc je vais prendre ça. Ouais, après, je pense pas que j'ai besoin de plus de preuves. Oula. Oulala. Oh, il y a du sang. Oui, bah j'ai ma preuve comme quoi il est coupable. C'est terrible ça. Donc il dépouille les cadavres. Le brigand.
il me dit quelque chose, lui. Ah bah. Oui. Agamir, c'est pas lui le vilain? Dorenir. Je connais personne de ce nom. Maintenant, laissez-moi. Allô, t'es. Oui. Inventaire. Marchandises. Je suis un simple trappeur. Mes marchandises ne sont que peaux et fourrures. Vous pourriez appeler difficilement ça des marchandises. Maintenant, sortez d'ici! Mais on est en pleine ville, abruti! Oui? Et du retour des morts? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Mais vous avez l'esprit mal tourné. Ne m'approchez pas! Oh, l'autre! Oui? Oui? Et la cité impériale? J'alimente beaucoup de bons marchands de la ville. Ils m'achètent toutes sortes de marchandises. Tout ce que je peux acheter pas cher et revendre en faisant un joli profit. Oui. Et le prophète? Je ne sais presque rien de lui. Je pense me rendre à Anneville pour aller l'écouter. Ah, je suis dans le secret. Tu peux rien me faire. Tiens, je regarde. Quoi, réducteur? Qu'est-ce que c'est que cette arme? L'âme a une main, atténuation de volonté et d'endurance. Eh ben. Eh ben, dis donc. Garde! Garde! Oh, on peut pas rigoler, mince! Oh là là! Ah, oh, ah, c'est comique. Je suis tout oui, citoyen. Nous sommes toujours de service. Oh là là, cette armure, des rumeurs? Ce ne serait pas la première fois qu'un empereur est assassiné. Mais là, je ne sais pas. C'est différent. Vous ne le sentez pas? Une ombre s'est étendue sur Tamriel. Bon, on va la chasser, cette ombre. Dégagez! Après la pluie, le beau temps. Oh, il parle mal. Bon, bref. Je vais me hâter. Je ne demande rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Mais comment? Pourquoi? Je ne comprends plus. Ah bah oui, il est là-bas. Ah, je suis passé devant son échoppe. Excusez-moi. Ah là là. Heureux de vous revoir. Non, je suis pas si sûr. La cité impériale? J'ai les meilleurs prix de toute la ville. Pourquoi? Je suis malin, et vous êtes malin. Nous connaissons les gens qu'il faut, nous faisons de bonnes affaires. Ouais. Attends. Que puis-je vous offrir? Les flèches de fer. Non, attends, un truc qui douille. Culotte impériale à 7000. Je retiens ça. La culotte impériale à 7000. Qui pourrait m'intéresser, qui plus est. Du retour des morts. C'est... Je n'arrive pas à croire ce que je vois dans ce livre. Je suis humilié. Pensez que ces objets, ici, se trouvaient autrefois sur les corps de ceux qui venaient de mourir. C'est vraiment trop horrible. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je suppose que des excuses ne suffisent pas. Que puis-je faire? Eh ben, il faut m'aider à choper Agamir. Oui, c'est le moins que je puisse faire. Pour commencer, je ne vais plus jamais le rencontrer, je vous le promets. Ensuite,
Je me souviens qu'il m'avait dit devoir être à un endroit particulier aujourd'hui. Oui, c'est exact. Il a dit qu'il ne pourrait rien faire d'autre, parce qu'il avait quelque chose d'important à faire. Vous ne pensez pas qu'il exhumerait un autre ? Oh non, c'est impossible. Mais je suppose qu'il a bel et bien fait. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, je l'arrêterai moi. Oui, faites-le. Et entre-temps, je vais décider de ce que je ferai avec toutes ces marchandises d'origine douteuse. Je regrette vraiment. Du coup, c'est le même prix. Que puis-je vous offrir ? Oh merde, c'est le même prix. Oh, je suis déçu. L'inventaire. Je ne veux même pas y poser mon regard une seconde. J'espère que tout le monde pourra me pardonner de ne pas avoir mieux vérifié mes sources. Bah, faudra retenir la leçon, mon garçon. J'espère que vous pourrez me pardonner. Je n'en avais aucune idée. Ouais. Alors, attends, qu'est-ce qui que quoi ? Alors, j'ai montré le manifeste macabre à Toronir et il a accepté d'arrêter de faire affaire à Grimir. Il m'a également confié qu'Grimir avait quelque chose d'important à faire ce jour-là. Je crois qu'il faut que je me rende au cimetière, car le dernier nom de la liste était de la cité impériale. Il m'a dit en outre de lui rapporter une preuve supplémentaire des crimes d'Agarmir afin de confirmer la véracité des manifestes. Oh là 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 là. Oh, puis c'est pas comme si c'était à l'autre bout de la ville, dis donc. Allez, on y va de ce pas, gaiement. Tu les go. Alors. Ah, c'est bien, elle se déplace vite maintenant. Oh là, magnifique, elle peut faire de l'athlétisme pour de bon là. Elle fait des JO là. Bien. Attends, voir. Ah, le mausolée de la famille machin. Ça devient intéressant là. Tiens donc. Attends. Herminia Sina. Érudit amateur spécialisé dans les elfes anciens et étudiant des arts occultes. Que puis-je pour vous ? Bah, c'est bizarre, t'es venu, tu t'es retourné comme si tu voulais pas me croiser, là. Des rumeurs ? Claudette Péric tient une belle boutique d'alchimie. Vous devriez aller voir à la carafe dorée. C'est ce capitaine de la garde impériale qui passe son temps à courir après le renard gris et la guilde des voleurs. Court après des ombres, à mon avis. Je mettrai ma main à couper que la guilde des voleurs et le renard gris n'existent pas. Ah oui, Erinonymus Lex. Vous aussi. Merci, merci. Bon, bref. Alors, j'ai localisé Agarmir dans le cimetière du quartier du palais. C'est presque certain qu'Agarmir est en train de creuser une tombe avec quelqu'un que je n'arrive pas à reconnaître. Je dois le convaincre de cesser cette odieuse activité. Dans le mausolée de la famille Trentius. On dirait qu'il essaie de profaner une autre sépulture avec quelqu'un que je ne connais pas. Je dois le persuader de ne pas commettre cet acte haineux. Oh là là. J'avais le sentiment que vous finiriez par comprendre tôt ou tard. Et c'est pourquoi j'avais fait préparer ce piège pour vous. Vous remarquerez que la tombe est déjà creusée. Ah, cette fois-ci, ce n'était pas pour voler quelque chose du cimetière. C'était pour y ajouter quelque chose. J'ai peur de ne pouvoir vous offrir qu'une tombe sans nom. Tu crois ça, malheureux. Mais il y a plus fort que toi. Attention. Déjà, il y a ça. Ça fait mal. Alors, que je m'amuse. Hop là. Ah oui, il m'a jamais vu comme ça. Oh.
font comme ça. Oh là là, magnifique. Voilà, la totale. Ah, stylé. Ah, j'ai pas mis mon bouclier. Attendez. C'est juste mon échauffement. Pathétique, vermine. Ah oui, ils sont bons. Merde, ils m'ont fait la peau. Ils sont bons, ils sont bons. Ah, alors attendez, on va changer un peu le cours de l'histoire. Hein. L'autre, ah, on a envie de dire t'es gueule. Ah non. Oh là 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 là. Alors, minute. Hop là. Hop là. Hop là. J'avais le sentiment que vous finiriez par comprendre. Ah! Très mal. Ah bah au moins c'est bien, ça va me faire la leçon là pour le coup. Alors il va me refaire son baratin. J'avais le sentiment. Mais ils vont vraiment me défoncer, là, ils sont bons. Il y en aurait qu'un encore, je dis pas, mais... Ah merde, j'ai oublié de me faire des potions de... Oui, ça peut aider. Ah oui, ça fait pas du bien. Oh là 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 là, la violence. Cette violence gratuite, je suis choqué. Alors, Agamir a été assassiné. Le pillage de tombe entraînant généralement une condamnation à mort. On peut dire que justice a été faite. Il faut que je fouille le cimetière pour trouver une preuve quelconque. Ouais, sauf que j'ai l'autre qui attaque. Voilà, terminé. Un du. Eh ben. Bah moi je dis. Suite au prochain épisode. J'étais trop bien. J'étais trop bien si j'arrive à zapper le... Ah merci.